Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir, que son nom soit réellement glorifié à jamais. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour la grâce et la santé qu'il nous renouvelle encore aujourd'hui.
et surtout pour le privilège que nous avons de nous revoir dans sa maison encore aujourd'hui pour l'adorer, le chanter et surtout pour l'écouter encore nous parler. Recevez les salutations de notre frère Daniel Glineur de Jemap, notre frère Marcel et notre sœur Marilyn de Krefeld, le pasteur Jean-Martin de Libreville, notre sœur Brigitte Ndo qui est en France, notre sœur Lily et notre frère Philippe qui nous saluent aussi depuis Paris et glorifie le Seigneur de les avoir gardés réellement sur leur chemin de retour. Notre frère Koulibaly et la sœur Odile d'Espagne nous saluent également. Notre sœur Carole de Canada salue l'Assemblée. La sœur Danielle de Royan nous salue. Notre frère Thomas, notre frère Trésor et le frère Pablo de Bilbao nous saluent également dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas les salutations de notre frère Bruno de Paris et nous pensons également à notre frère KMB de Kinshasa qui nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations de notre frère Albert Pimi de Pointe-Noire, salutations de notre frère Luc Sylvain Bani de Brazzaville dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Tout-Puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Tout-Puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pour la grâce que tu nous accordes d'être réellement en toi. Seigneur, avant même la fondation du monde, tu nous avais connus, tu nous avais prédestinés à être tes enfants par adoption. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour chaque moment, pour chaque instant que nous pouvons passer en ta présence, mon Sauveur. Depuis ce matin, nous avons été au travail, nous avons été à l'école, nous avons vaqué à différentes occupations, même que nous sommes restés à la maison. Seigneur, tes yeux étaient constamment braqués sur nous, Seigneur. Tu n'as pas permis que Satan puisse nous toucher. Tu n'as pas permis que Satan puisse nous empêcher de pouvoir réellement te glorifier. Tu n'as pas permis, Seigneur, que nous puissions en manquer, Seigneur, le rendez-vous de ce soir. Seigneur, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré, Seigneur mon Dieu, ô Dieu puissant, le découragement, mais tu es celui qui nous fortifie, tu es réellement notre secours, tu es réellement celui qui nous tient par la main et qui nous conduit, Seigneur, dans le sentier de la justice. À cause de ton nom, à cause de l'amour que tu as pour nous, Seigneur, tu as déployé, Seigneur, ton armée céleste pour ouvrir et frayer un chemin, alors que Satan voulait nous empêcher d'être dans ta maison ce soir. Mais tu es le Dieu de tout possibilité, mon Sauveur.
Tu nous as ouvert le chemin. Oh, nous pouvons être dans ta maison ce soir. Seigneur, comme David le pouvait dire, Seigneur, oh, nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est dans cette maison de correction que nous nous empressons de venir, Seigneur. Même si tu nous frappes, mon Sauveur, nous savons que c'est pour notre bien. Même si, Seigneur, tu nous blesses, nous savons que c'est toi qui bandes le plaie, Seigneur. À toi la gloire et la puissance. À toi la majesté, notre Dieu. Que réellement Satan soit sous nos pieds. La victoire appartient à ceux qui sont à toi. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Tiens-nous réellement par ta main puissante, mon Sauveur. Conduis-nous encore ce soir. Manifeste ta grandeur et ta puissance, mon Dieu. Manifeste ton amour, mon Dieu. Manifeste ta bonté, Seigneur. Que réellement la victoire soit réellement dans le camp, mon Sauveur. Que toute maladie soit vaincue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que réellement, Seigneur, nos vies soient cachées entre tes mains, mon Sauveur. Réjouis nos cœurs encore ce soir. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, nos questions. Nous déchargeons à tes pieds nos inquiétudes, mon Sauveur. Nous voulons réellement nous décharger de toi, de tout sur toi, mon Sauveur. Nous voulons réellement nous décharger de tout ce qui peut nous empêcher d'être agréable et léger devant ta face, mon Dieu. Oh, à tes pieds, nous asseyons, notre Père. Viens encore nous visiter. Viens nous faire du bien. Viens réellement nous remplir de ton Esprit Saint. Viens réellement faire tomber les écailles de nos yeux. Viens réellement nous fortifier. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur. Agrée-nous en ta présence, mon Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu nous fortifies, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, de toute souillure, de la chair comme de l'esprit, Père. Oh, Seigneur Jésus, que le sang qui a coulé à Golgotha puisse nous laver corps, âme et esprit. Et que tout notre être puisse réellement être à la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis la chorale qui t'a chanté. Bénis les enfants qui vont te chanter. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est venu, Seigneur, avec des bonnes dispositions pour te servir encore ce soir. Bénis mon frère Zaché. Bénis mon frère Rosario. Bénis chaque frère dans le service. Bénis, Seigneur, l'internet, mon Dieu. Contrôle toutes choses, mon Père. Qu'il n'y ait aucune perturbation, mon Sauveur. Que nos frères puissent bien suivre la réunion de ce soir et qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis la technique, bénis les instruments, bénis les caméras, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout, Père. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Tu sais combien j'implore aussi ta grâce. Je soupire après toi, mon Dieu. Seigneur, que seul ton Saint-Esprit puisse nous conduire encore ce soir. Dispose-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche quand tu vas nous parler. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, domine, que réellement tout ce que Satan a prévu contre nous, que cela soit sans effet, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prends le contrôle de tout, que tout esprit, que toute langue, confesse que Jésus-Christ est Seigneur pour la seule gloire de ton nom. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Bénis nos frères qui sont en connexion, Père, qui puissent aussi se réjouir en ta présence, mon Dieu. Nous avons confiance en toi, notre Dieu. Tu n'as jamais failli, tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, bénis-nous encore ce soir, nous nous attendons à toi notre Dieu, en ton nom nous avons ainsi prié Père, Amen, Amen, Amen. Assieds. C'est mon joyeux service, c'est le 79 dans les fards, numéro 79. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon âme. Oh oui, accepte, accepte mon descende la flamme de Dieu. Oh oui, accepte.
se distingue, ça est serré. Sois rempli de
les enfants, venez chanter pour la gloire de Dieu. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre et comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule au torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance. Je remercie le Seigneur parce que j'ai obtenu mon stage et aussi pour l'année de plus qu'il m'a accordée hier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre sœur Amissa. Que Dieu soit réellement glorifié. Le Seigneur a entendu et exaucé nos prières. Que son nom soit réellement béni. Tu chanteras tout à l'heure, ma sœur. Le numéro 90 dans les phares, pardon. Quand le vol de la tempête
prête à s'embrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de compte les bienfaits de Dieu, fais-les tous devant tes yeux. Thank you.
d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, notre Dieu. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Tu es le Dieu des miracles, mon sauveur. Tu es le faiseur de l'impossible. De l'impossible et de l'impossible, notre Dieu. Ce que tu fais, aucun homme ne peut l'imiter. Ce que tu fais, aucun démon ne peut le faire. Ce que tu dis, personne ne peut imiter. Seigneur, tu es le seul qui dit un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Seigneur, nos vies sont à toi. Nos âmes sont à toi. Seigneur, laisse tout adorer, laisse tout te louer. Seigneur, ce jour-là, sur le bord du calvaire, tu as crié, tout est accompli, mon sauveur. Ma victoire a été complète. Seigneur, ma vie a été changée. Mon âme a été transformée. Tu es le Dieu de ta parole, mon sauveur. Accorde-moi ta grâce. Souviens-toi de nous encore ce soir. Agis encore dans nos cœurs, mon sauveur. Que nos vies soient transformées. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs, mon sauveur. Que nous puissions être changés, transformés. Que le diable ne plus de place dans nos vies, mon sauveur. Qu'aucun démon ne puisse nous troubler, mon sauveur. Qu'aucune situation ne puisse nous décourager, notre Dieu. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que capables par celui qui nous a aimés. Gloire à toi, notre Dieu. Parce que ce soir, tu es le puissant vainqueur. Ce soir, mon sauveur, tu es celui qui est réellement, qui a remporté la victoire. Seigneur, viens dans nos cœurs ce soir. Viens dominer en seul maître, Seigneur. Que nos cœurs, que nos vies, que nos âmes soient soumis à toi. Seigneur Jésus Christ, si ce n'est toi, à qui donnerions-nous, mon sauveur? Les disciples t'ont expérimenté, et nous aussi, Seigneur. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te sentir dans nos cœurs. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher au travers de ta parole. Viens, Seigneur, ce soir. Viens confirmer ta parole. Descends, mon sauveur. Tu es déjà là. Tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent, mon sauveur. Qui est comparable à toi? Qui peut nous aimer comme toi? Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, le Jésus de la Bible. Qui peut nous aimer comme toi? Qui peut nous pardonner comme toi? Seigneur, j'étais un homme vil, j'étais un homme perdu, j'étais un homme mort, sauveur, que le monde ne pouvait pas aimer. Mais toi, tu as jeté tes regards sur moi. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as montré la voie et tu m'as dit de te suivre. Qui peut, Seigneur, me secourir? Qui peut réellement m'aimer comme toi tu m'as aimé? Seigneur, même mes parents ne pourront jamais m'aimer comme tu m'aimes, mon sauveur. C'est pourquoi je voudrais t'adorer ce soir. Jésus-Christ, notre sauveur, tu es présent, mon sauveur. Qui comme toi peut réellement nous secourir dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur? Qui peut réellement agir? Qui peut dire un mot si ce n'est que toi, mon sauveur? Dans ma maladie, Seigneur, aucun homme n'était capable de m'aider. Mais toi, tu es venu, tu as dit seulement un mot et ma maladie a été guérie. Même le cancer a été guéri. Seigneur Jésus, comment ne pas exalter ton nom? Seigneur, dans toutes les douleurs, tu es le secours qui ne manque jamais la détresse. Qui comme toi peut nous pardonner? Seigneur, malgré mes iniquités, malgré mes fautes, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu as fait de moi un fils de Dieu. Seigneur, les hommes peuvent me détester, mais toi, quand tu regardes, tu vois un Dieu sur la terre. Comment ne pas t'exalter? Qui comme toi, Seigneur Jésus, peut réellement nous accepter? Accorde-nous ta grâce, mon sauveur. Ce soir, tu es là pour nous faire du bien, Seigneur. Qui, oh Seigneur Jésus, il n'y a personne, mon sauveur. Il n'y a personne, mon Dieu. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur Jésus. Parce que dans la boue du péché où j'étais, Seigneur, c'est toi qui es venu me ramasser. C'est toi qui es venu me tirer. Seigneur, les hommes ne pouvaient pas me voir. Mais toi, tu m'avais vu, Seigneur. Seigneur, tu as éclairé ma vie. Seigneur, tu m'as changé. Tu m'as transformé. Tu as brisé les liens du péché. Tu as brisé les liens de la mort. Seigneur, tu as donné le salut éternel, le baptême du Saint-Esprit. Oh, la vie de Jésus, c'est ce que nous soupirons. C'est ce que nous désirons ce soir. Seigneur, ton serviteur est dans le creux de ta main. Ce soir, nous le remettons dans tes mains. Tiens-le, Père. Agis, oh Jésus. Seigneur, parle au travers de lui. Viens toucher nos cœurs. Tu vois les choses qui sont cachées dans les cœurs. Mais il n'y a que toi qui révèle les secrets des cœurs. Viens révéler les secrets. Viens réellement montrer et pointer du doigt ce qui ne va pas dans nos vies. Viens réellement nous ramener sur le chemin. Ta houlette de ton bâton nous rassure.
vivre, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que le Tout-Puissant est avec moi. Seigneur, que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre nous? Accorde-nous ta grâce ce soir. Seigneur, que ta puissance, que l'ange puissant descende encore ce soir et nous fasse encore du bien, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'incomparable. Tu es admirable, mon Dieu. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ce soir, c'est toi que nous voulons adorer. Ce soir, c'est toi que nous voulons acclamer. Ce soir, c'est toi que nous voulons célébrer. Ce soir, c'est toi que nous voulons écouter. Qui comme toi peut réellement nous sauver? Qui comme toi peut nous délivrer? Qui comme toi peut réellement nous parler, Seigneur? Je lève mes yeux vers toi parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, fais tomber les écailles. Seigneur, enlève ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Seigneur, que cette parole que nous écoutons, c'est ta parole à toi, qu'elle puisse réellement avoir de l'effet dans nos cœurs, Seigneur. Que la vie de Jésus nous soit donnée et communiquée au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis tous nos frères qui sont en connexion ce soir, qui soient réellement bénis, qui soient réellement visités, qui soient réellement fortifiés. Oh Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Sauveur. Merci notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Je lève mes yeux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, ne passe pas outre ton chemin. Arrête-toi sur notre chemin ce soir. Seigneur, tu vois le cri de ma sœur. Seigneur, tu entends les prières. Tu es celui qui exauce, mon Dieu. Ce soir encore, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le seul qui peut intervenir dans la situation de mon frère, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu es puissant, que nous puissions t'expérimenter encore aujourd'hui. Seigneur, viens, descends, agis, marche dans ces allées, touche les cœurs, change nos vies, Seigneur, et bénis-nous, notre Dieu. Merci pour les enfants qui ont chanté pour toi. Merci pour la louange. Merci pour les cœurs qui se sont élancés. Bénis ton serviteur, notre pasteur. C'est ton instrument à toi, mon Dieu. Entre tes mains, nous le remettons, Seigneur. Qu'il soit guidé, conduit par toi, inspiré par toi, mon Sauveur, afin que la parole soit réellement à propos, mon Sauveur. Seigneur, merci pour tout. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'autorité, la majesté à jamais. À tes pieds, nous nous asseyons, Seigneur. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Oui, notre Dieu, nous te louons, notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. À toi la majesté, à toi la puissance, mon Père. Que réellement tous les cœurs soient assujettis à toi, Jésus. Viens réellement manifester ta grandeur et ta puissance parmi nous. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus. Oui, alléluia. Merci, Seigneur. Personne, Seigneur Jésus. Personne, Seigneur, entend nos prières. Seigneur, entends les prières qui montent du fond des cœurs, mon Sauveur. Exauce-nous, notre Dieu. Nous te voulons, Seigneur Jésus, dans toute notre âme, dans tout notre cœur, dans toute notre vie, Jésus. Que tu viennes prendre la place qui t'est due, Seigneur. Là où nous avons placé autre chose à ta place, mon Sauveur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur, que tu aies réellement la première place dans nos vies. Oh, Seigneur Jésus, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous adorons. Tiens-nous par ta main, bénis-nous Seigneur. À toi la gloire, la puissance, l'autorité. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu, que ta parole soit réellement un baume dans nos cœurs, Seigneur. Que ta parole soit réellement, oh Seigneur, un secours, un réconfort. Que ta parole nous éclaire, Seigneur. En ce temps de la fin, tu as dit que la lumière paraîtra. Et ta lumière a déjà paru, Seigneur. Nous voulons la voir briller dans nos cœurs, Seigneur. Dans nos vies, Jésus. Accorde-nous ta grâce. Secours-nous, notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Sois exalté à jamais. Oh, personne, Seigneur Jésus, ne peut se comparer à toi. Accorde-nous ta grâce.
Seigneur, souviens-toi de nous. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis les enfants, Seigneur. Que chacun de nous soit réellement conduit par toi. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'adoration, à toi la louange, au siècle et des siècles. Manifeste-toi parmi nous, Seigneur, ce soir. Tiens ton serviteur, tiens-le comme un simple instrument dans ta main, Père. Il a aussi besoin de toi, mon Dieu. Que réellement l'ange puissant descende et fasse du bien à ton peuple encore ce soir. Seigneur, c'est toi que nous voulons. À tes pieds, nous nous inclinons, nous nous asseyons et donne-nous l'attention, Seigneur. Enlève la distraction, enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Que nous puissions vraiment écouter la voix du bon berger. Bénis-nous ce soir, bénis ton serviteur. Oins le Père, remplis le vase. Seigneur, à toi seul soit la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous Levant ton nom.
Père et notre Dieu, nous voulons élever ton nom comme une bannière, ô notre Père. C'est vrai, c'est vraiment le désir de notre cœur que partout où nous passons, Seigneur, que nous puissions dégager ce parfum de Christ, mon Sauveur, et que ton nom à toi soit respecté, mon bien-aimé Seigneur. Aide-nous, Père, notre Dieu, de pouvoir réellement être comme cela, Père, que par notre vie, par nos actions, Seigneur, que tu sois vraiment glorifié, ô notre Père. Oh, que ton nom soit vraiment aussi honoré, Seigneur, et que les hommes se rendent compte que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et que tu es un peuple qui est consacré à toi, mon Sauveur béni. Louange et honneur à toi encore, Père, ô Dieu, pour la grâce d'être à toi, mon bien-aimé Seigneur, pour porter ce nom glorieux, mon bien-aimé. Mes Seigneur, cet étendard, mon bien-aimé Père Tubissant, nous voulons l'élever, Seigneur, plus haut davantage, mon bien-aimé Père Tubissant, pour que l'humanité puisse voir, mon bien-aimé Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, et que tu vis, oh, notre Dieu, et que ta parole à toi, elle est respectée, mon bien-aimé Seigneur, ta parole, elle est crainte, mon bien-aimé Père Tubissant, nous la vivons, mon bien-aimé Seigneur, tu es vraiment le Dieu merveilleux, Seigneur, louange et honneur à toi encore aujourd'hui, Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni encore pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce, mon Sauveur béni, d'être encore ce soir dans ces lieux, mon bien-aimé Père, oh Dieu, de te ramener en cet endroit pour célébrer ton nom, Père, oh Dieu, pour encore t'adorer, mon bien-aimé Seigneur, et surtout aussi pour t'écouter, Seigneur, et t'implorer la grâce, que notre intérieur soit aussi disposé, Père, parce que maintenant nous le voulons certainement, notre Dieu, que toi qui fasses encore ton œuvre avec nous, bien-aimé Père, puissant, ton œuvre encore puissant, mon bien-aimé Seigneur, dans chacun de nous, notre bien-aimé Père Saint, nous encore davantage achever l'œuvre que tu as commencée. Nous le voulons maintenant, bien-aimé Père Tubissant, nous l'acceptons, notre Dieu, que cette main puissante, bien-aimé Père Dieu, puisse agir encore davantage dans chacun de nos pères. Bénis ton peuple, mon Sauveur, et accorde encore la grâce, et que ce soir nous puissions encore être disposés, oui, Père, à être un peuple uni pour toi, mon bien-aimé Père Saint, ayant le même sentiment, mon bien-aimé Père, ayant le même désir, mon bien-aimé Père Tubissant, ayant le même cœur et le même âme, mon bien-aimé, oui, Père, c'est cela que pourra nous appeler, Père, pour que nous puissions tendre à cela, mon bien-aimé Seigneur, et travailler et te servir pour cela, mon bien-aimé Père Tubissant, pour avoir un peuple qui te sert, mon bien-aimé Père Tubissant, pour avoir des âmes, bien-aimé Père Dieu, qui s'accordent davantage à toi. Louange et honneur à toi. Tu es digne d'être adoré, Père. Merci pour les cantiques, mon bien-aimé Père Tubissant. Merci encore pour l'adoration, mon Sauveur. Merci encore pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Merci pour chaque frère et chaque soeur. Nous pensons à tous nos bien-aimés partout où ils sont. Qu'ils soient aussi bénis, Père. Louange et honneur à toi. Merci pour tout, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, et à toi aussi la puissance et la victoire. Honore-nous encore, merci. Et agis encore. Louange et honneur à toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es vraiment digne d'être adoré. Merci. Merci, merci. Et accorde-nous ta grâce, mon Seigneur. Merci. Encore pour ce soir, mon Seigneur. Merci pour ton étendard, mon Seigneur. Ton nom plus haut, mon Seigneur béni. Nous le voulons, mon Seigneur béni. Merci pour ta présence glorieuse, mon Père. Oh Dieu, nous sommes que des vases pour toi. Nous sommes que des instruments, mon Seigneur. Nous voulons regarder là où tu veux que nous puissions regarder. Nous voulons faire de ce que tu veux que nous puissions faire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci. 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 Merci, monsieur. Merci. Louange à toi. Merci. Remplis ton peuple, Père. Merci pour ton Esprit Saint, pour ta présence. Merci pour ton onction, mon Sauveur. Nous te disons merci, maman. Nous voulons encore davantage, Père. Et toi dans notre cœur, plus de toi, Seigneur. Et encore plus de toi. C'est cela que nous voulons. Merci. Et merci pour tout. Merci pour tout. Merci. 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 Merci.
Seigneur Jésus, tu connais les pensées de l'âme.
Merci mon Dieu, merci mon Père, merci mon Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné dans ma folie. Tu es toujours là, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton secours. Merci Jésus, merci, merci Père. Alléluia. Gloire à toi, Majesté. Nous ne te dirons jamais merci, Amen. Seigneur. Oh, parce que ton amour est grand, Jésus. Oh, que te dis, Seigneur. Moi, nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es tout puissant. Seigneur, ne regarde pas nos fautes, Seigneur. Regarde nos efforts. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être semblable à toi, Seigneur. Couvrons nos petits efforts, Seigneur Jésus. Donne-nous la main, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions marcher. Oh, tu as dit, Seigneur Jésus, que nous serons semblables à toi. Tel tu es, Seigneur, tel nous serons, Seigneur Jésus. Merci, nous avons confiance, Père. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Bénis ces instants à travers lesquels nous entrons pour ta parole et de puisse être exalté, Père. Viens encore nous parler, Père, et encore nous accorder cette grâce de pouvoir entendre ta voix. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais comme tu as fait la promesse, que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Tu y es aussi présent, Père. Merci pour ton peuple. Merci pour les prières. Merci aussi pour l'adoration. Merci aussi pour ton soutien et ton secours et ta présence parmi nous. Sois donc béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Aujourd'hui, cette journée n'a pas été une journée facile, parce que pas de moyens de transport. Mais vous avez fait des efforts pour pouvoir arriver à venir dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais touché parce que depuis déjà très tôt ce matin, j'ai eu à pouvoir entendre des témoignages et toute la journée aussi. Et aussi voir combien les uns les autres se tracassent avec autant de dévouement pour pouvoir venir dans la maison du Seigneur. C'est très, très touchant. Le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu bénisse cet enfant Déborah. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir voir combien, lorsque le Seigneur saisit le cœur des jeunes enfants et que touchant au plus profond de leur âme, ils veulent s'accrocher malgré la distance, il s'est battu pour chercher à trouver un train, moyen pour venir jusqu'ici. Depuis très tôt matin, 6 heures, et c'était les combats pour venir. Mais que Dieu soit béni. Amen. À 3 heures du matin, j'ai reçu un appel, et ça, je suis très touché, remerciant le Seigneur. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, comme mon précieux frère a chanté et prié aussi dans sa prière. Nous, nous tenons dans ces lieux et parfois nous ne nous rendons pas compte en réalité de la grandeur de ce que Dieu vraiment fait au milieu de nous et l'action de Dieu. C'est vrai, ma bien-aimée sœur. Peut-être que ce sont des habitudes dans lesquelles nous sommes entrés, mais en fait, on passe vraiment à côté de l'action du Seigneur, notre Dieu. Si vraiment nos yeux pouvaient s'ouvrir pour que nous puissions réaliser et voir ce que Dieu est en train de faire. Alors, je crois que nous serons encore beaucoup plus enflammés. Que Dieu soit béni pour ce soir. Nous avons réalisé la présence du Seigneur. Ça, ce n'est encore rien, mon frère. À côté de ce que le Seigneur nous réserve,
dans les temps à venir, en fait, par sa parole et son action au milieu de nous. Si simplement nous pouvions prêter attention et rechanger. J'étais heureux parce que je pense que j'étais ainsi là, je pense que c'était dimanche ou quoi. Puis je regardais, je voyais notre sœur Esther debout avec ses instruments. Je l'observais, je la voyais comment elle bougeait. J'ai dit, mon Dieu, merci pour ses jambes. Amen. J'étais heureux de la voir. J'ai dit, tu es merveilleux. J'étais content de la voir chanter, danser. Ça vous réjouit aussi, non? Amen. Parce que la voix dans son âge aussi, toujours là aussi, brillante pour le Seigneur, c'est, ça console le cœur, je pense que c'est cela. Et, comme je disais, nous devons être réellement conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire ici. J'ai été aussi touché par d'autres témoignages que j'ai entendus. Et c'est en fait Héritier qui, le matin, je crois vers 3h02 du matin, comme ça, ça c'était très touchant. Dimanche, vous avez remarqué une chose. J'étais ici du haut de la chaire, et puis j'ai pu dire une chose en rapport avec le jeûne. Vous vous souvenez? Amen. J'ai dit que le diable est en train de pouvoir préparer, et qu'effectivement qu'il y a l'attaque, il veut arriver à pouvoir avoir l'endroit de jeûne. Vous vous souvenez? Vous pouvez réécouter la prédication et les mots que j'ai utilisés. Et c'est vrai que quand les uns les autres parfois entendent des choses, ils peuvent se dire que bon, ben c'est peut-être un peu émotion. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et je crois que quelques-uns qui disent Amen, ils savent, ils ont compris. C'est à 3h du matin, je crois que c'est Héritier qui a eu à pouvoir vivre cette expérience avec le 3 jeunes. Vous étiez au nombre de 3, je pense. Vous étiez, combien vous étiez? Vous étiez au nombre de 4. Tu as rendu ce témoignage? Mais viens ici. Ouais, c'est, je pense que c'est quand même bien. Que de sa propre bouche, vous puissiez aussi l'entendre. Et aussi, pour que vous compreniez que quand Dieu dit quelque chose, prêtez attention. Quand Dieu dit que voilà ce qu'il faudra arriver à pouvoir faire, qu'on doit prier pour ceci, comprenez bien que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme si l'homme fait. Non, c'est Dieu qui veut. Et c'est la présence du Seigneur Médéno qui voit de loin comme cela et qui connaît ce qui peut se passer des jours à venir. Alors il préserve, en fait. Alors, tu veux bien nous rendre témoignage que tu m'as eu à pouvoir me rendre à 3h du matin, ce que vous avez. Mais c'est merveilleux de voir comment ces enfants se réveillent très tôt matin, à 3h du matin, ces jeunes, pour pouvoir prier Dieu. Vas-y, mon grand, nous t'écoutons. En fait, avec Isaac, Raël et Christine, on s'est dit qu'on allait nous appeler à 3h du matin pour prier. Et chanter quelques cantiques et lire un peu la Bible suite à la prière que Frère Léonard a fait pour nous. Et on a chanté, quand on a commencé à prier, d'abord j'avais ouvert ma fenêtre parce que j'avais chaud. Quand on a commencé à prier dans ma chambre, c'était très calme et il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Et au moment où on a commencé à prier, j'ai senti une présence entrer dans ma chambre. Et ça, au moment où cette présence est entrée, il y a eu beaucoup de vent d'un coup. Et cette présence est venue me mettre la pression sur le cou et me boucher les oreilles aussi. De sorte que je n'entendais plus ceux qui étaient avec moi en train de prier. Et cette présence m'a appuyé très fort. Et au même moment où elle a appuyé, ma voix a changé. Et j'ai eu une très grosse voix d'autorité pour chasser cet esprit. Et je chassais vraiment très fort. Et au moment où je chassais, je sentais que ça partait tout doucement. Et à la fin, c'est parti. Et je sentis une autre présence qui est entrée maintenant dans ma chambre. C'était une présence de paix et de calme. Et quand la première présence était entrée, j'avais eu très peur. Je ne savais pas quoi faire. Mais en fait, quand ma voix a changé, ce n'est pas moi qui l'ai changée. Elle s'est changée toute seule. Et dès que la présence est sortie, j'ai récupéré maintenant ma voix normale. Et après, quand on a fini de prier, j'ai raconté le témoignage aux autres. Et il y a Graël qui me dit que oui, parce qu'on s'est appelé à 3 heures, donc il avait dormi d'abord. Et au moment où il a dormi, pendant qu'il dormait, il a rêvé qu'il y avait quelque chose de mauvais qui le poursuivait.
Et donc, il s'est réveillé et on a prié. Et Isaac me dit que tout au long de la prière, lui, il n'a pas prié parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que vous avez entendu comment ma voix a changé pendant que j'ai prié? Et là, Christine me dit, oui, j'ai entendu comment ta voix a changé quand tu as prié. Et c'est ça qui s'est passé. Merci. Tu peux t'asseoir, mon grand. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention. Ils se sont dit de pouvoir prier. Il avait la fenêtre ouverte et pendant qu'il priait, c'est vrai parce que quand il rend ce témoignage, parfois comme il est devant. Alors, d'abord, il y avait comme un vent qui a commencé à pouvoir se frapper fort, effectivement. Puis comme il explique, et puis il a senti une présence mauvaise qui rentrait. Et quand c'est rentré, il a senti que la chose commençait à pouvoir l'appuyer, donc les serrer à la gorge, c'est ça, non? L'étouffer au niveau de la gorge. Et en même temps aussi, on lui bouchait aussi les oreilles. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui était à son intérieur. A pris l'autorité maintenant. C'est ça, non? Et la voix a changé. C'était la voix d'autorité. Il ne sait pas d'où c'est venu, mais cette voix a pris possession. Elle a chassé cet esprit. Et tous ceux qui étaient en contention avec lui aussi ont senti qu'il y avait quelque chose de mauvais. Et puis quand il a eu à pouvoir prendre cette autorité, effectivement, chasser cet esprit, ce mauvais esprit est parti. Et maintenant, l'esprit de paix est revenu. Et l'homme rentre. Vous voyez pourquoi nous devons prier pour les jeunes. Souvent, vous restez, vous vous moquez en disant, oui, mais on fait non. Quand quelque chose est dit que ça doit être fait, faites toujours attention. Ce que Dieu sait, ce que Dieu savait, combien les diables, effectivement, ont des projets, en réalité, pour pouvoir détruire, effectivement, les jeunes. Et le Seigneur a prouvé que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il a pris possession, effectivement, pour que nos jeunes puissent arriver à pouvoir réellement aussi. Et il agira parce que Satan avait prévu de pouvoir détruire. Vous avez remarqué aussi, cet esprit mauvais saisissant le jeune homme, il allait le rendre peut-être malade et fou ou quelque chose comme ça. Mais Dieu savait. Amen. Dieu savait, effectivement. Et il a mis sa main. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants au Seigneur. Son action et la grâce qu'il nous accorde, effectivement. Alors hier aussi, je crois que c'était hier, parce que j'étais ici dans mon bureau, je pense, oui, et puis après je suis reparti. Parce que là, ce que notre père Abraham a eu comme grâce, c'est une grâce extraordinaire. De ce que nous descendons de lui, et qu'on peut voir qu'effectivement, parce que quand nous étions esclaves des pharaons, on pouvait penser qu'effectivement, mon Dieu, nous on ne sera jamais, on ne sera jamais, on ne sera jamais, et sera toujours pharaon, effectivement. Mais, frère et sœur, c'est comme dans la vie, effectivement, dans laquelle nous sommes. Les difficultés, les épreuves et tout, c'est comme si jamais on arrivera. Or, le Seigneur a fait la promesse que nous arriverons. Et il a dit ceci, cet époux sera irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ça veut dire qu'effectivement, que toutes les faiblesses que tu as, c'est comme si ça ne changera pas, mais ça changera. Oui, mon frère, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, mais un jour viendra. Nous atteindrons la perfection. Quand on est parfait, on est parfait. Frères et sœurs, nous ne serons pas parfaits dans le ciel, mais déjà sur la terre. C'est pourquoi il a dit, une épouse irrépréhensible. Que quand on la regarde, il n'y a rien à reprendre. On a beau faire, on a beau la critiquer, on a beau dire, mais elle reste toujours aussi la même. On ne la trouve pas dans tous ces siens à gauche, à droite. Ce que déjà, ma soeur et mon frère, hier, on vous trouvait dans des boîtes de nuit, avec des grosses boîtes de boissons à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, personne ne vous a forcé. Mais quand on vous observe, c'est vous-même. Qui le fait? Est-ce que c'était Léonard Lifessé dans les bonhommes là? Non, monsieur, il était seul, Lifessé était dans son coin. Et le petit était dans sa chambre, effectivement, et les démons étaient entrés. Qui l'a défendu? La parole que vous entendez. Oui, monsieur, la parole que tu entends, la prière qui a été faite, Dieu a pris possession. Il dit, oui, frère, c'est ma propriété. Quand tu honores la parole de Dieu, Dieu t'honore aussi. Satan est venu, il dit, mais c'est un gamin, effectivement. Il n'a pas pu voir celui qui était dans le gamin. Vous négligez, frère, vous négligez. Vous ne voyez pas vers où nous tendons. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu deviennes parfait? C'est la parole. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi on parle de la semence et tu négliges, tu es assis, les pinceaux sont ailleurs. Frères et sœurs, la casserole restera. L'argent, ce sont des papiers, ça restera. Les factures resteront. Mais celui qui doit partir, ce n'est pas la facture, c'est toi. Donc, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est ton âme. Plus te préoccuper de ceci et de cela, non. Je dois me préoccuper de mon âme. Parce que les autres choses, c'est sûr et certain, ça viendra. Hier, j'avais difficile de croire que, Seigneur, si je m'occupe de ta parole, les factures seront réglées. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, même si les factures s'entassent, les huissiers vont frapper, je m'occupe de ta parole. Alléluia! Parce que toi, tu l'as dit. Puisque tu l'as dit, tu n'échoues jamais. Alors, je le crois. Pourquoi? Pourquoi je le crois? Parce que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est que toi, tu as fait quelque chose. Depuis que je suis avec toi, j'ai vu ta main. Alléluia! Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai eu des problèmes de facture. Parce que j'ai toujours eu des problèmes. Mais toi, tu as toujours solutionné ces problèmes. Mon frère et ma soeur, réveille-toi. Question de pouvoir réaliser ce que Dieu est en train de faire avec toi. N'oubliez pas qu'il y avait donc les 10 vierges. Les 5 étaient folles, les autres 5 étaient sages. Pourtant, c'était des vierges. 5 sages et 5 folles. C'était important parce que les vierges sages, il y avait quelque chose qu'ils avaient. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'ils étaient sages? Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient appelés sages? C'est ça le problème. Vous savez, oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il y a un endroit où on extrait de l'or, c'est vrai, non? On fait descendre l'or juste dans les bas-fonds. Hypocrisie, n'est-ce pas? Mais alors, lorsqu'on a posé la question, on dit, mais pour l'or, je sais où on en trouve. Pour l'argent, je sais où on en trouve. Pour les diamants, c'est où on en trouve. Mais la sagesse, mais l'intelligence, où est la demeure de la sagesse, de l'intelligence? Il dit, j'ai cherché, il dit, mais j'ai demandé aux choses, mais je ne sais pas. J'ai entendu parler. Mais je ne sais pas où le trouver. Il a plus de valeur que de perles, n'est-ce pas? Dieu te bénisse. Faites attention, s'il vous plaît. Nous avons un trésor plus que des trésors. Ce que nous avons, ce que nous possédons, est plus que ce que le monde peut même vous donner. C'est sûr et certain. Ce que Dieu nous a accordé, c'est cela le problème en fait, c'est parce que nous n'apprécions pas les choses de Dieu à leur juste valeur. C'est 100% vrai. Dieu nous a donné ce qui nous est vraiment important. Il a dit, hein, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le bonhomme, il ne savait pas celui qui était là. Il a dit, oh, mais j'ai senti comme la voix a changé. C'est normal. Et puis cette voix, je ne savais pas, c'est une voix d'autorité. C'est normal. À mon nom, ils chasseront des démons. Alors que lui, il ne savait pas, mais Jésus-Christ a pris possession. Mais c'est vrai, mon frère. Quand nous nous dormons alors que nous ne savons pas ce qui rôde autour de nous. Dans la nuit, l'Éternel veille. Amen. C'est lui qui veille sur toi, ne sommeille ni ne dort. Amen. L'Éternel qui veille sur toi. Oui, oui, c'est sûr et certain. Il veille et se soucie de toi pendant que. C'est pour ça que quand nous entendons la parole de Dieu, la nuit, quand nous méditons, quand nous dormons, qu'est-ce que nous voyons? Nous nous voyons en train de prier pour les gens. Nous nous voyons. Mais c'est vrai, c'est ce que moi, cette nuit, c'est comme ça. J'ai chassé des démons, j'ai prié pour les gens. Oui, c'est vrai. Amen, amen. Tu connais même des visages que j'ai vus, effectivement, pour lesquels j'étais en train de pouvoir prier. Vous dormez, mais vous dormez, et dans la nuit, vous travaillez. Amen. Mais qu'est-ce qu'il est fait? C'est pas l'homme, c'est l'esprit. Amen. Parce que l'esprit de l'homme doit être dans la main de Dieu. C'est pour ça, frère, vous devez veiller à votre façon de pouvoir penser. Sœur, la même chose. Ne dormez jamais avec des mauvaises pensées. Des soupçons, de ceci, de cela, vous avez pensé des choses, non. Ça peut arriver que vous puissiez avoir des pensées qui sont pas. Mais avant de dormir,
Vous priez, Seigneur, lave ma conscience, mon subconscient, ma mémoire et tout ça. Parce que je vais simplement me reposer en te Sainte-Mère bénie. Alors avant cela, tu prends la Bible, tu lis quand même une écriture. Elle te repose. Hein? Mais c'est vrai ça. C'est sûr et certain. Et quand vous le faites, vous ne vous rendez pas compte. Parce que les démons, là, cherchent par tous les moyens en se volant à gauche et à droite. Alors quand Dieu te pousse à pouvoir prendre l'écriture, pour pouvoir lire et prier, c'est parce qu'il t'a préparé pour le combat. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors nous voyons qu'effectivement, que là, c'était comme le temps. Là, c'était ainsi que le Seigneur parlait à Moïse, et Moïse allait et parlait à Pharaon, et Pharaon, son cœur était tout le temps endurci. Si Moïse était la même trempe que nous, effectivement, il se serait fatigué. Il dit, mais Seigneur, c'est quand même pas possible. Bon, une fois, je peux comprendre que je vais, tu l'as endurci. Mais quand même, combien de fois? Chaque fois que je vais, et puis après, tu endurcis tout de même. Alors, c'est quand même pas possible. En fait, c'était pas comme ça. Dieu avait préparé Moïse pour qu'il réponde exactement à l'attente de Dieu pour lui. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, toi, tu ne te peux pas forcer à pouvoir mettre l'écriture de Dieu en pratique. Non. Quand tu essaies de pouvoir fabriquer quelque chose au Dieu de Dieu, c'est une souillure. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi le Seigneur a toujours insisté, mais il faut naître de nouveau. Toi, ce que tu dois chercher, dit Seigneur, je veux savoir comment faire pour arriver à ça. Parce que tout ce qui te concerne, toi, si moi je fais quelque chose, ce que moi je peux faire n'est qu'une souillure. J'ai même dit ça, s'il vous plaît, votre attention. Même quand tu apportes ta dîme, et pourtant la dîme elle est biblique, mais si tu apportes ta dîme avec un double cœur, devant Dieu ça ne sert à rien. Vaut mieux même pas la payer. Parce qu'il y a des conditions que Dieu a eu à pouvoir poser. Quand tu poses un acte pour Dieu, il faut que ça soit avec un cœur bon. Et puis quand tu le fais pour la gloire de Dieu, et tu le fais parce que tu as la joie de pouvoir le faire. C'est sûr et certain, à ce moment-là, Dieu bénit. Et dans les choses de Dieu, moi je n'ai rien à faire. Ni toi ni moi, nous n'avons rien à faire. Parce que c'est l'œuvre, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. C'était mon œuvre, oui, j'avais à faire. Si tu donnes à toi, oui, tu avais à faire. Mais ici, on dit, c'est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, alors c'est Dieu qui doit s'occuper, parce qu'on dit l'œuvre de Dieu. Pas l'œuvre de l'officier, mais l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, alors Dieu doit faire son œuvre. C'est 100% vrai. Donc, si c'est son œuvre, moi, je n'ai rien à faire. Donc, si moi, je dois faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, Dieu doit m'introduire dans son œuvre. Et s'il m'introduit, il me donne l'esprit de l'obéissance. Amen. Amen. Quand il a voulu que les tabernacles soient dressés, vous vous souvenez? Amen. Il a dit à Moïse, tu ne fais pas comme toi tu penses. Viens sur la montagne. Parce que ce n'est pas ton tabernacle à toi, c'est le mien. Viens sur la montagne, je vais te montrer. Dieu soit béni. Amen. Moïse était sur la montagne, Dieu l'a amené dans les hauteurs. Il dit, regarde, pas comme toi tu pensais, c'est comme ça que je veux. Quand tu vas descendre, aie bien soin de reproduire exactement le modèle comme tu l'as vu. Alors il dit, mais pour que tu le fasses comme moi, je le veux, voilà ce que je vais faire. Je prendrai mon esprit, je le mettrai dans ceux qui doivent travailler. Alléluia! Gloire au Seigneur! Frères et sœurs, nous n'avons rien à faire. Mais c'est lui qui doit faire à nous pour que nous fassions quelque chose pour lui. Alors là, nous travaillons pour Dieu. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Cet homme, que Dieu le bénisse. Il avait 100% raison. Et d'ailleurs, c'est un homme de Dieu. Rendre, et pourtant c'est un service à Dieu que tu rends, mais tu le fais, mais en dehors de sa volonté. Donc parce que c'est pas un service pour toi, ni pour ma mère, ni pour mon père, ni pour ma femme, mon mari, non. C'est un service pour Dieu. Alors je dois savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, même parmi les Lévites. Chaque Lévite connaissait sa place. Il y avait des fils de Corinthe, effectivement, qui ne veulent même pas entrer, effectivement, dans le lieu très saint. Il n'y avait qu'une famille lévite qui pouvait simplement voir les choses qui sont dans le lieu très saint. Les autres étaient aussi des lévites, non? Mais s'ils le voyaient, ils mourraient. Pour voir combien Dieu
C'est pas comme nous pensons avec tout ce que les gens... Beaucoup, frères, ils vont payer. Et ça, frères et sœurs, ils vont vraiment le payer. On a trop joué avec Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il y a aussi un fait dévorant. Il y a un temps où tout le monde se permet n'importe quoi. Dieu regarde, mais il y a un temps où il dit, maintenant, c'est stop. Amen. Alors maintenant, chacun va commencer à payer. Et on payera, frère. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu, au temps du soir, et la lumière paraîtra. Ce n'est pas pour rien que Dieu a restauré la parole de Dieu, pour que les choses soient faites selon sa volonté parfaite. Et on doit comprendre qu'effectivement, comment nous devons arriver à pouvoir faire. Alors, ainsi donc, Moïse, comme Dieu l'a recommandé effectivement de pouvoir aller, hein, il a fait. Et chaque fois qu'il allait, puisqu'il était donc dans la volonté de Dieu, il ne pouvait jamais être quelqu'un qui murmurait en fait. Parce que l'Esprit de Dieu te conditionne d'abord, un, dans l'amour que tu as pour ton Dieu. Parce que quand tu as son esprit, quand on te demande quelque chose dans la maison du Seigneur, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Amen. Pourquoi tu le fais? Parce que tu ne vois pas l'homme, tu vois Dieu. Amen. Dans l'action, alors tu es tellement dans la joie, tu le fais effectivement, même si on demande 150 fois. Tu le feras 150 fois avec autant de joie. Sœur, tu n'as pas bien nettoyé la chair. Oh frère, s'il faut, je trouve encore que ce n'est pas bien nettoyé. 6 fois, elle peut le faire sans murmurer. Pourquoi? Parce que c'est le travail, c'est la joie, c'est pour Dieu que je le fais en fait. C'est comme cela que Dieu conditionne. Mais quand tu le fais simplement parce que bon, tu vois que c'est une tâche, mais tu vas te plaindre. Oui, mais ce n'est pas possible, j'ai quand même nettoyé. Pourquoi tu veux encore demander que je puisse le faire? Moïse n'a jamais murmuré pour ça. Il est parti. Pharaon a dit aussi, il est retourné. Dieu dit, va maintenant. Et puis il dit, bon, tu diras ceci. Et puis j'en dis aussi encore son cœur. Et il est parti. Oui, oui, lisez la Bible, frère. Et il est parti. Et il a dit, fais partie, effectivement. Si tu ne le fais pas, l'eau va s'en aller. Il dit, bon, et puis papa, Dieu dit, mais va maintenant, il dit encore, je vais encore. Dieu a fait cela dans le cœur. Parce que vous savez, frère, quand Dieu dit une chose, que ça se paye, vous savez que quand la parole de Dieu sort, les démons tremblent. Amen. Il n'y a aucun qui peut résister devant la parole de Dieu. Vous le savez, frère. Parce que lorsqu'il dit, la chose arrive. C'est lui-même qui a voulu, parce que s'il n'avait pas dit que j'endurcirais son cœur, Pharaon allait fléchir. C'est vrai. Alléluia. Et si Pharaon fléchissait, alors les polices, ils n'allaient pas les faire manifester. Dieu voulait qu'on voit que son nom est grand. Amen. Donc il a dit, va, et puis il dit, je veux. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que c'est lui qui contrôle. Lorsqu'il dit, la chose est arrivée. Et puis il dit, ça dit, maintenant, va, je vais faire comme ça. Donc, il en dit aussi, il dit, je pense, parce que si tu parles, il va le faire. Parce que ma parole est puissante, c'est vrai. Alors moi, je vais endurcir. C'est comme cela. Parce qu'il a un but. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, Satan peut s'acharner à toi, il ne pourra jamais te détruire, parce que Dieu ne lui a pas permis de te détruire. Les épreuves, tu auras. Les difficultés, tu auras. Mais la victoire, tu l'as. Alléluia! Nous sommes plus que vainqueurs, mon frère. Alléluia! Que ce soit pour les papiers, que ce soit pour les factures, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la santé, nous avons la victoire! Alléluia! Gloire au Seigneur! Il est bon, notre Dieu! Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je regarde autour de moi. Comment ne pas te louer?
que tu le mérites réellement. Merci pour la parole que nous avons entendue. Seigneur, tu nous as fortifiés. Seigneur, tu nous as réellement consolés. Tu nous as réellement éclairés, mon Sauveur. Parce que ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire, Seigneur. C'est la parole, Seigneur, de la persévérance. Cet évangile du royaume, c'est ce que tu vas nous donner. L'amour du Dieu très haut, l'amour divin manifesté, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, ta parole est réellement, oh, la vérité, mon Sauveur. Merci, Seigneur Jésus, pour la visitation de ce soir. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Oh, tu touches, tu changes les cœurs. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Oh oui, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Père. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le cœur de ceux qui sont à toi. Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es celui qui nous conseille. Tu es celui qui nous fortifie, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, notre Sauveur. Répands ta puissance. Répands ta présence dans les cœurs. Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Jésus de la Bible. Celui que nous avons reçu. Non pas le Jésus des églises, mon Sauveur. Mais celui de la Bible, mon Sauveur. Le Yahvé de l'Ancien Testament. Le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Seigneur, ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles, mon Sauveur. Que réellement ta gloire soit manifestée parmi nous. Tu es présent parmi nous, notre Dieu. Oh, c'est pourquoi nous t'adorons, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te louons, notre Dieu. Parce que tu n'as jamais changé. Oh, Seigneur, laisse-moi te chanter. Laisse-moi te glorifier, mon Dieu. Parce que ce que tu as fait pour moi, aucun homme ne pouvait le faire, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur, je veux m'accrocher à ta parole, mon Sauveur. Je ne veux pas résister à ta voix. Je ne veux pas murmurer, mon Sauveur. Je ne veux pas résister, mon Dieu, mon roi. Je veux réellement m'accrocher à toi, m'abandonner totalement à toi. Seigneur, que ma vie soit tout entière à toi. Seigneur, que réellement le monde soit ôté, que la puissance de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Manifeste ta grandeur, mon Dieu. Tu es incomparable. Tu es magnifique, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Souviens-toi de nous, mon Sauveur béni, ce soir. Manifeste ta grandeur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce encore ce soir. Oh, Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce. Seigneur, ce soir, nous te voulons que tu prennes réellement la place qui t'est due, Seigneur. Oh, que tous les idoles, mon Sauveur, que toutes les idoles soient ôtées, Seigneur. Que seul le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, notre Sauveur Jésus-Christ, prenne réellement la place dans nos cœurs, mon Sauveur. Et que réellement nous puissions être consacrés à toi, Seigneur. Souviens-toi de nous, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es réellement. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ton Saint-Esprit. Oh, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu as dit que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Souviens-toi de nous, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Je m'incline devant ta face, Seigneur. Et je t'implore ta grâce, mon Dieu. Tiens-moi par ta main, Seigneur. Et introduis-moi dans ta présence, Seigneur. Que nous puissions réellement nous sentir bien, notre Dieu. Oh, ta parole est la vérité, Seigneur. Tu veux faire de nous réellement des joyaux de ta couronne, Seigneur Jésus. Oh, Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te dire merci.
Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'adorer, notre Dieu? Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, notre Dieu. Je désire habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler ta grandeur et ta magnificence. Il n'y a point un homme qui peut se comparer à toi. Nous avons cherché, cherché. Nous n'avons jamais trouvé un homme qui puisse être égal à toi, Jésus. Il n'y a personne qui délivre comme toi. Il n'y a personne qui sauve comme toi. Il n'y a personne qui guérit comme toi. Il n'y a personne qui peut aimer comme toi. C'est pourquoi tu es admirable. Tu es magnifique, Jésus. Oh Seigneur notre Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux, mon sauveur, tu es merveilleux, Seigneur. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est notre sœur Lisa. Viens Lisa, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. C'est quand j'ai entendu Héritier témoigner, ça m'a donné aussi envie de témoigner parce que hier soir, quand j'étais en train de dormir, donc j'ai dormi à 22h et je me suis dit, bon, je veux me réveiller à 2h30 pour prier. Et je n'ai pas pu me réveiller. Et je me suis réveillée vers 3h44. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié. Et quand j'ai prié, après ça, mais je priais en dormant, en fait. Et quand j'ai arrêté de prier, je ne savais plus dormir. J'étais vraiment mal. Et j'arrivais vraiment plus à dormir. J'ai essayé de réveiller ma sœur, mais ma sœur est restée dormir. Et donc je savais pas faire aller comment faire et tout, et donc j'étais pas bien de 4h jusqu'à 5h, je savais pas dormir du tout. Et après quelque chose m'a dit prie encore et tout, mais je me disais mais j'ai déjà prié et tout, et après ça s'empirait, je savais vraiment pas dormir. Et après j'ai prié, et quand j'ai vraiment prié de tout mon cœur, c'est là où directement mon cœur était en paix et j'ai pu bien dormir après. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Que le Seigneur te bénisse richement. Je vais inviter mon frère Zaché à venir récolter les offrandes. Ma sœur Mary, s'il te plaît, un cantique. Tempted and tried, we're oft made to wonder why it should be thus all the day long, while there are others living about us, never molested, though in the wrong. Farther along, we'll know all about it. Farther
further along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When death has come and taken our loved ones, it leaves our home so lonely and drear. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year? Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Faithful till death said our loving master, a few more days to labor and wait. Toils of the road will then seem as nothing as we sweep through the beautiful gate. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When we see Jesus coming in glory, when he comes from his home in the sky, then we shall meet him in that bright mansion. We'll understand it all by and by. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by.
le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui n'ont pas de transport pour rentrer, s'il vous plaît, ne partez pas à pied. Adressez-vous au diacre et nous trouverons une solution pour vous. Que le Seigneur nous bénisse richement pour notre présence et notre dévouement, pour notre zèle. Que Dieu nous garde encore dans ce combat. N'oubliez pas, sachez-le, nous sommes dans la victoire. Que Dieu nous bénisse richement. Allons dans la paix du Seigneur. Et si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le jeudi. Nous viendrons encore pour le louer et le glorifier. Lèvons-nous. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre mère être invisible aux humains méprises pour tous les saints, puis Jésus est toujours merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, danser, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, me garde à lui à jamais. Merveilleux est mon sauve, mon Dieu, mon roi. Prions. Le Seigneur. Prions-le le matin, prions-le le soir, prions-le Seigneur, alléluia, prions-le en tout temps. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, parce que tu es notre victoire. Tu es le puissant vainqueur, celui qui a remporté les combats pour nous, Seigneur. Tu exerces nos mains, Seigneur mon Dieu, au combat, et mes bras à la bataille, mon Sauveur. Tu nous tiens et tu nous soutiens, Seigneur. Quand l'ennemi se dresse devant nous, et par la foi, nous résistons à lui, et il fuit, Seigneur mon Dieu, l'un de nous, parce que tu es en nous, mon Sauveur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as revêtu, mon Sauveur, afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Seigneur, tiens-nous, Seigneur, de marcher, Seigneur mon Dieu, avec ta parole qui est une épée à double tranchant. Seigneur, tiens-nous dans le creux de ta main. Veille sous nous, protège-nous, mon Sauveur, alors que nous sortirons de ce lieu, mon Sauveur. Oh, Satan voudra par tous les moyens pour nous enlever la joie, pour nous enlever la paix, pour nous enlever cette sémence que nous avons reçue. Mais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la victoire soit en chacun de nous, mon Dieu, quand nous irons à l'école, quand nous irons au travail, soit que nous sommes à la maison, veille sur nous, Éternel. Protège, mon Dieu, garde-nous dans le cœur de ta main. Et si telle est ta volonté, Père, nous reviendrons encore le jeudi pour te servir, mon Sauveur, pour te louer, notre Dieu, pour t'adorer, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu as restauré. Je bénis ton nom parce que tu as ramené. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence, oh Dieu. Satan a voulu nous attrister, mais gloire te soit rendue parce que tu es le puissant vainqueur. Tu prends toutes choses sous ton contrôle, mon Dieu. À toi seul la gloire. Seigneur, manifeste ta grandeur. Veille sur nous, mon Sauveur, quand nous serons dans nos voitures, Père, dans le transport, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous protéger, Seigneur, que nous puissions arriver à nos maisons sains et saufs, mon Dieu. Oh Père, tu as dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes ces lieux en possession, car réellement, Seigneur, la victoire soit réellement effective et réellement manifestée, Seigneur, pour chacun de nous. À toi la gloire, la puissance, oh Dieu, pourvois, Seigneur, aux besoins de ceux qui ont réellement besoin de toi. Seigneur, interviens pour ceux qui réclament, Seigneur mon Dieu, ton aide. Seigneur, agis. Ouvre, Seigneur mon Dieu, les portes, pour que ton peuple soit réellement dans la joie et dans la paix, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais réellement nos soucis, tu connais nos problèmes. Mais Seigneur, à tes pieds, nous les déposons, mon Sauveur, parce que nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses, mon Sauveur. Sois loué, notre Dieu, sois glorifié à jamais. Merci, Seigneur, pour ton amour et ton soutien, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main, à toi seul sois la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Bénis ton serviteur, notre pasteur, Père, pour qui nous prions encore davantage. Soutien, fortifie, Père. L'attaché grande, mon Sauveur. Le ministère que tu lui as donné, Seigneur, c'est un ministère particulier. Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que c'est ton œuvre à toi, notre Dieu. Garde-le, conduis-le, inspire-le. Donne-lui réellement ce dont nos âmes ont besoin, Seigneur. Bénis mon frère Zaché. Bénis mon frère Rosario, Seigneur, tes serviteurs. Rends-le aussi pour ton service, Père. Merci pour la manière dont tu les conduis, Seigneur, dans ta maison. Oh, garde-les dans le creux de ta main, en bonne santé, toujours fervent pour te servir, mon Dieu. Bénis tous mes frères dans le service, Père. N'oublie personne, mon Sauveur. Que chacun soit béni en toi.
toi. Souviens-toi de nous, Éternel. Merci pour la chorale. Merci pour nos enfants. Bénis chaque frère et chaque sœur sur Internet, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, le puissant vainqueur, notre Seigneur et notre Sauveur. Ô Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Allons dans la paix du Seigneur. Retrouvons-nous le jeudi. La chorale. Fait pour moi, qu'aucun homme ne peut faire.
quelle